Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, unboxing Gutfeld, deuxième partie. Donc, comme je vous disais dans la vidéo précédente, j'ai souhaité faire plutôt deux vidéos pour ce unboxing Gutfeld, la boutique Gutfeld, en partenariat avec eux, parce que c'était deux choses différentes. La première partie, c'était du diamond painting. Et cette partie ici, c'est tout à fait autre chose. Je ne sais pas depuis quand ils font ça dans la boutique. Enfin, le dernier partenariat, il n'y en avait pas. Et quand, là, il y a 15 jours, ils m'ont proposé le partenariat, j'ai vu qu'il y en avait. J'ai dit, oh, on va essayer et on va le présenter dans la vidéo. Et puis comme ça, je verrai la qualité, puisque moi je connais déjà ce loisir. Je verrai la qualité et puis ce que ça donne. Voilà. Et comme ça, je pourrai vous le présenter. Alors, vous allez dire de quoi elle nous parle. Je vous parle de Killing. Voilà. La boutique Gutfeld fait maintenant, alors comme je vous ai dit, je ne sais pas depuis quand exactement ils en font, mais ça fait peut-être quelques mois seulement. Ils font du Killing. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh là là, on va essayer, on va en prendre un kit et puis voir ce que ça donne chez eux. Donc voilà, le kit se présente comme ceci. Et vous avez votre dessin déjà fait derrière. Alors là, vous ne le voyez pas bien avec le plastique. Donc, on va déballer tout ça. Alors, dans votre kit, alors, je vais tout déballer. Hop. Voilà. Dans votre kit, vous avez d'abord une règle avec les... Alors, je ne sais plus comment on appelle ça, mais enfin, tout ce qui est, tous les petits ronds, voilà, qui vont vous servir pour faire vos papiers ronds, voilà, vos spirales, de différentes tailles. Bon, là, vous n'avez que des ronds, hein. Bon, moi, ça va, j'ai d'autres règles qui peuvent faire des carrés, des triangles, des losanges, des cœurs, tout ça. Mais là, bon, sur celui... Alors, je ne sais pas sur les autres kits s'il n'y a que des ronds aussi ou s'il y en aura d'autres. Bon, pour celui-là, c'est des ronds. Voilà. Vous avez une règle graduée aussi au-dessus. Vous avez dessus les tailles des ronds. Voilà. Des diamètres. Elle est en plastique. Et moi, je suis contente d'avoir ça. Parce qu'en plus, elle va me servir au coloriage. Pas qu'à faire. Vous avez un poinçon qui pique avec. Alors, hop, attention, si je perds la moitié des pièces. Là, vous avez. Alors, l'outil, il est, bon là, je ne sais pas si vous allez le voir, hein, mais il est fendu. Donc, c'est l'outil qui va vous servir à tourner vos papiers. Donc, vous allez coincer dedans et vous allez tourner. Mais je vous ferai une vidéo, hein, pour vous montrer, parce que comme ça, c'est difficile à expliquer. Donc, c'est l'outil qui vous sert à enrouler, vos papiers. C'est vrai que les noms, je ne les ai plus en tête, mais ça a des noms. Voilà. J'ai fait le killing depuis un moment, mais j'ai jamais cherché les noms exacts des outils. Voilà. Mais je vais vous les marquer en incrustation. Voilà, si je les trouve. Donc vous avez ça. Vous avez une pince. Donc, bon. Alors la pince vous sert à tenir vos papiers, pareil, ou pour coller, quand vous collez vos papiers, tout ça. Bon, c'est pas la pince. J'ai une pince, voilà. Hop. Et ensuite, vous avez un lot de papier. Alors, il est en combien de millimètres celui-là? Est-ce qu'il marque? Non, il ne le marque pas. Parce que bon, les papiers, il y a différents millimètres.
Là, ils ne l'ont pas marqué. Je vais essayer de mesurer pour voir. Ça m'a l'air d'être du 5, ça. On dirait que c'est du 5. Ouais, j'ai l'œil. Donc, c'est du 5 mm. On ne va pas les sortir, sinon ils vont se tout mélanger. Voilà. Donc, vous avez différentes couleurs hein, dedans pour faire votre dessin. Donc, il y a du blanc, il y a du rose, il y a du vert, il y a du bleu, il y a du jaune, du violet, du rouge, de différentes couleurs. Il y a du vert foncé, du bleu foncé, du violet. Voilà. Il y a toutes ces couleurs-là. Et ensuite, vous avez... Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Comme ça, peut-être. Vous voyez, vous avez le dessin. Alors, le carton est un peu abîmé, par contre. C'est dommage. Alors, ce qu'on peut faire... Alors, comme le carton est un peu abîmé, ce qu'on peut faire, c'est le recalquer, peut-être. Et le refaire sur un autre papier. Parce que là, bon, le carton, en plus, est un petit peu déchiré. C'est ce qui est dommage. Donc, moi, c'est ce que je ferai. Je vais le redécalquer, le refaire sur une autre feuille plus jolie. Enfin, plus solide, déjà, et moins abîmée. Alors, voilà. Ouais, comme ça, vous voyez mieux. Et donc, ça, c'est mon support qui va me servir à poser mes feuilles. Et à la fin, voilà ce que ça va me donner. Un joli poisson tout coloré. Donc, les papiers ne se posent pas comme ça. Hein. Les papiers se posent sur l'arête. Voilà. Mais tout ça, je vous expliquerai comment on fait, pour ceux qui ne connaissent pas, comment on fait le killing. Donc voilà, ils ont quelques jolis modèles. Enfin, ils sont tous très jolis. Hein. Bon, j'ai même eu du mal à choisir celui que je voulais. Il y a des modèles très simples, hein, des modèles plus compliqués. Pour commencer, si vous voulez commencer du killing, partez sur du simple. Parce que sinon, vous allez vous taper la tête dans les murs. Parce que le killing, c'est quand même un loisir de précision et de patience. Donc, si vous voulez commencer à en faire, ne partez pas sur un sujet compliqué. Surtout. Donc, moi, je vous referai une vidéo avec... Enfin, il y aura peut-être plusieurs vidéos parce que ce n'est pas le genre de truc que je vais faire en une heure. Ça, c'est sûr. Donc, il y aura certainement plusieurs vidéos pour ce modèle. Et je vous montrerai comment on fait. Mais là, je vais d'abord refaire le dessin sur une feuille genre canson ou une feuille cartonnée qui sera moins abîmée. C'est ça qui est dommage, là, que j'ai reçu quand même la feuille un peu gondolée. Vous voyez, elle est... Mais bon. C'est beaucoup mieux de la recalquer sur un autre support. Voilà. Vous pouvez également... Si vous le souhaitez, recalquer sur... alors, je vais vous montrer. Voilà. Je verrai peut-être, si je me sens le courage de le faire là-dessus, recalquer sur un canvas. Voilà. Sur une toile. Voilà. Vous pouvez recalquer là-dessus. Et vous le faites directement sur un canvas. C'est encore plus joli hein. Mais là il faut peut-être que vous vous entraînez à le faire d'abord sur une feuille pour prendre l'habitude pour pas foutre en l'air un canvas et puis donc vaut mieux vous entraîner d'abord sur des feuilles et après quand vous avez bien l'habitude, bien la main pour en faire, vous attaquez sur les canvas et voilà. Et donc voilà ce que je voulais vous présenter. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, ça se passe
en commentaire. Moi, je vous mets en barre d'infos le lien de la boutique, le lien pour retrouver cet article et le lien pour retrouver tous les articles de Killing que la boutique Gutfeld a mis en ligne. J'espère que ça va vous plaire. Et on se retrouve très rapidement donc pour les vidéos que je ferai sur cet article. Je ne sais pas quand je vais le commencer, mais je vais le commencer, pas dans 6 mois, vous inquiétez pas. Mais on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Bisous, bisous.